Marie-Madeleine, réveille-toi! C'est l'heure! Allez, un petit vol et on se réveille! Oula, ouh! Elle va bien. Elle n'est jamais loin, je vous le dis. Hein. Elle est juste partie prendre un petit bain. Marie-Madeleine! Tiens, ah bah voilà! Bah t'étais là! Allez, viens! Remonte là-haut! Est-ce que je viendrai pas de me faire empoisonner? Je crois que si, les mecs. Putain, mais tout ça, c'est à cause d'elle aussi, là! Si elle s'était pas envolée aussi loin, les mecs! Allez, monte là-dessus, fais voir ça. Oh oui, on est empoisonné, on va se faire un petit antidote, tout va bien aller. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très bien et bienvenue aujourd'hui pour la suite de Stranded Deep. On va se faire un petit antidote tranquillement pour commencer. Alors aujourd'hui, je suis vraiment très content de vous retrouver pour cet épisode. Je suis toujours très content de vous retrouver pour un épisode de Stranded Deep. Mais aujourd'hui, cet épisode a un goût un petit peu plus fort en termes d'aventure. On va pas se le cacher, on arrive, on s'approche dangereusement de la fin du jeu. Disons qu'on est plus proche de la fin que du début. Attendez voir, j'ai une gourde en noix de coco par ici? Oui, bien sûr, j'ai toujours une gourde en noix de coco qui traîne. On va se faire un petit antidote, tranquillement. Yes! C'est nickel, on va pouvoir se remettre bien. Tout ça à cause de Marie-Madeleine. Allez, on va boire ça tranquillement. Hop là, c'est bon, on est pas mal. Bah, impeccable les mecs, on n'est plus empoisonné, c'est parfait. Alors je compte sur vous aujourd'hui les gars, les filles, vous me faites péter la barre des likes. Alors vous avez vu l'épisode précédent qui était un petit peu plus long que les autres, c'est normal. J'ai joué un petit peu plus longtemps, j'avance un petit peu plus vite, j'ai envie d'en savoir plus sur le jeu. Aujourd'hui vraiment, bon je sais que je vous l'ai dit la dernière fois, mais vraiment aujourd'hui on va plus se concentrer sur les objectifs du jeu. Hein. On va vraiment passer tout ce qui est partie construction, les récoltes de ressources, tout ça, on connaît. Alors attends. Attention à la partie construction, sauf si vraiment il y a quelque chose d'intéressant à construire, à faire. Comme par exemple, ici, je voulais passer, j'ai construit quelques petits purificateurs d'eau. Plutôt des récolteurs d'eau. Donc j'en ai 1, 2, 3 et 4. Et franchement, ça va plutôt bien, c'est parfait. J'ai fait 3 gourdes, 4 gourdes. En fait, j'ai fait 3 bouteilles d'eau et une gourde en cuir. Et donc là, vraiment, on est bien. J'ai de la nourriture dans le coffre. J'ai encore mis de la viande de mes roues à faire fumer juste ici. Alors, j'ai pas allumé le feu parce que je me demandais si c'était forcément obligatoire d'allumer le feu pour faire fumer la viande. Il me semble que non. Écoutez, on va voir. On va pas le laisser allumer. On va voir si ça fume au bout d'un moment ou quoi. En tout cas, elle est bien fumée. On va la mettre juste ici. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, les mecs. Donc, effectivement, on va se concentrer sur les objectifs de l'aventure. Ce que je vais faire, c'est que je vais améliorer un petit peu le radeau. Bien sûr, je vais vous passer tout ça. Hein, comme je vous l'ai dit, on connaît les constructions, tout ça. Je vais vous expliquer ce que je vais faire. Pour vous, ça va se passer en une transition. Ça va être en une fraction de seconde. Pour moi, ça va durer un petit peu plus longtemps. Mais pas non plus si longtemps que ça. Ce que je vais faire, c'est qu'on va agrandir un petit peu le radeau. Parce que si vous avez suivi l'épisode précédent, on a ramené tout de même pas mal de bois, pas mal de ressources. Je vais rajouter des coffres. Je vais équilibrer un petit peu le radeau, je vais les mettre à l'avant et puis bah là franchement après ça on est parti les mecs, mais ça va être un truc de ouf. Aujourd'hui dans cet épisode j'aimerais bien qu'on croise au moins minimum un boss. Ce serait bien de tuer soit alors je vais pas vous spoiler des boss, on va les découvrir ensemble. Moi personnellement je les connais déjà parce que tout le monde m'a spoilé dans les commentaires, mais ce serait bien au moins qu'on en croise un. Et pourquoi pas lui tartiner sa gueule. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, ça pourrait être pas mal. Allez, déjà dans un premier temps nous allons dormir, nous allons passer une bonne nuit, on va se réveiller demain matin, de bonne heure, de bonne humeur. À demain tout le monde, bonne nuit. Ah, quel magnifique lever de soleil de bon matin. Franchement, ça met du baume au cœur quand tu vois ça. T'es là, dans ta petite base, tu te réveilles. Bon, il n'y a pas de lit, c'est normal, il est sur le radeau, mais regardez ça. Pff, un super plan sur notre radeau de compétition et tout, c'est un truc de ouf. Allez, Marie-Madeleine, viens avec moi, on a du pain sur la planche. On va se couper quelques troncs d'arbres, tranquillement, et puis je vous retrouve dès qu'on a amélioré le radeau, tout ça, et je vous dirai ce qu'on a fait. Tiens, Marie-Madeleine, je te laisse là, tu me dis s'il y a un requin qui arrive. Voilà, déjà comme ça, je pense qu'on sera un petit peu plus stable, ça va être cool. Ouh, 33e jour de survie, les mecs. Ça commence à causer 2 minutes. Bon, alors au niveau agrandissement du radeau, voilà qui est fait. Alors, j'ai juste agrandi sur les côtés. Hein. Vous voyez que niveau bois, bah, ça a bien chuté aussi, les mecs. Hein. Franchement, va falloir aller en rechercher quand même au bout d'un moment. C'est vrai qu'il y a 2 secondes, pour vous, il y avait une tonne de bûches ici. Bah là, il n'y a plus rien. Et c'est quand même 14 branches, les mecs, pour faire un flotteur. Hein. Je vous laisse calculer combien qu'il fallait de branches. En tout cas, ceci étant dit, ceci étant fait. On va faire des étagères à coffres maintenant. Bon, là, clairement, je vous le dis, les mecs, niveau ressources, j'ai tout misé sur le radeau. Par contre, je sais qu'il y a une étoile de mer quelque part par ici.
Elle est sur le bord. Faut vraiment que je fasse gaffe. On va dormir. Et on se réveillera bien sûr le lendemain matin. Une douce nuit à tout le monde. Et quelle belle journée en perspective. Je pense qu'on va prendre tous les coffres. On va mettre tout ça sur le radeau. Oh, on aura largement la place. Hein. Oui, oui. Et puis regardez, j'ai même encore des rondins de bois là-dessus. Je sais même pas pourquoi je me suis fait chier. J'ai été couper un arbre sur mon île. Eh oui, j'avais zappé que j'avais ramené encore des troncs et tout. Je suis sûr que les coffres sont pleins de troncs là. Voilà, on va faire l'équilibre comme ça. Tac. Yes. Ah, je pense que ça doit y jouer le poids. Hein. Oh là là, et là les mecs. Bon, on va partir. Hein. On va partir. Hein. Des pièces de moteur, tout ça, je récupère, je vide les coffres. Hein. Voilà, des troncs d'arbres. Allez, j'emmène quand même avec moi ma paire de jumelles. D'ailleurs les mecs, j'ai oublié, en parlant de la paire de jumelles, on m'a dit qu'on pouvait zoomer. Et moi, j'avais pas vu. Ah, ok, d'accord. Ah, yes. Putain, faut juste rester... ok, d'accord. Faut rester appuyé sur clic droit et clic gauche pour zoomer. Tout simplement. Oh, une tempête se prépare. Ah, j'avais pas tilté ça comme ça, moi. C'est pas mal, hein. Allez, Marie-Madeleine, viens là. On part à l'aventure, ma vieille. C'est y part. Ah, puis on part en pleine tempête, mon gars. Allez, mets-toi dans ton lit. On est parti. On lève l'ancre, les mecs. Oh, je sais pas comment ça va avancer. J'espère que ça va avancer. Attendez, on va le tirer un peu quand même. On va essayer de le foutre à la flotte comme on peut. Oula, 34e jour de survie. Attends, je vais faire un petit demi-tour. Ah putain, il y a des poissons qui volent et tout. Non mais... C'est la merde totale. Il y a rien qui va, les mecs. Il y a rien qui va, là. Attends, j'ai l'impression que je fais du surplace, là. Ouais, j'ai l'impression que je fais du surplace, les mecs, là. Je tourne en rond. J'ai l'impression que mon radeau, il avance pas, mon gars. Si... Allez, faut que je braque. Faut... Attends, il y a un truc qui va pas là, gros. Ah ouais, non, mais attends, je vais le tirer de là parce qu'il y a un rocher. Et puis forcément, la tempête, ça aide pas. Allez, on navigue. On est parti là, hein. Ouais, bon, il y a un peu de tempête et tout, mais tranquille, ça va y aller, les mecs. Laisse tomber, c'est même plus un radeau qu'on a construit, quoi. Oh là là, Marie-Madeleine, ça va? Ça se passe bien le voyage? Franchement, ça va, et tiens le choc, hein. T'inquiète, hein. C'est juste que c'est le temps que la tempête se calme et tous les mecs, après on est bien. Hein. Regardez, le soleil commence à revenir, ça va se calmer. Oh là là, oh il y a deux... Oh il y a de ces vagues mon gars. On prend de ces vagues. Je sais pas où est-ce qu'on va les mecs. On va tenter de naviguer un petit peu vers la droite, on va voir... De toute façon on est bien, on a de la nourriture, on a de l'eau, on est bien. On est au frais. Marie-Madeleine, accroche-toi. À bâbord. Je prends la barre. Marie-Madeleine. Mon radeau, gros! Putain, je suis tombé! Marie-Madeleine! Attends-moi! Laisse-moi pas! Coupe la voile, Marie-Madeleine! Putain, mais coupe la voile! Monte! Allez, monte, gros! J'y arrive pas, les mecs! Je vais essayer de couper la voile! J'y arrive plus! J'ai plus de souffle! J'ai plus de souffle! Marie-Madeleine, reviens, me laisse pas en pleine mer. Ça se calme, la tempête se calme. Je vais reprendre mon souffle, les mecs. Non, oh non, je suis deg, gros. Je suis deg. Oh, je suis dégoûté. Il avance, mon radeau. Il avance de ouf, mon gars. Non. Oh, c'est mort, gros, je peux naviguer comme ça pendant des heures. Il fait demi-tour, les mecs. Il fait demi-tour. Marie-Madeleine, accroche-toi! Cabon! Il est en train de tourner en rond, en fait. Putain, il y a un requin. Oh, c'est un espadon! Accroche-toi, ma vieille! J'arrive! Oh, putain, je l'ai récupéré, gros. Oh, ah bah ouais, mon gars, mais laisse tomber, il en... What? Ah non, non, non. Ouais, ouais, laisse tomber, mon gars. Le radeau, il est en train de tourner en rond. Ouais, gros, il est en train de tourner en rond, clairement. Je reprends la barre, les mecs. Oh là là. Par contre, il avance. Hein. Ça va, c'est facile à le récupérer. Il tourne en rond. Ok, désolé, Marie-Madeleine. Je te lâche plus cette fois-ci. Allez, les mecs. On s'en va, on navigue. Je sais pas où. Regardez ça. On est déjà venu sur cette île. Il y a une hutte ici. Bah si on est déjà venu, laisse tomber, mon gars. Ça m'intéresse pas. On repart. Ah ouais. Elle est où, notre île? Bah, elle est là, en fait. Attends, où est-ce que j'ai mis mes jumelles? C'est quoi? C'est notre île, ça?
Ah bah ouais mon gars, il y a ma base qui est là-bas. Ouais, nous on va aller derrière cette île, on va aller encore plus loin les mecs. Cher journal, ça fait des jours qu'on navigue, moi et Marie-Madeleine. Des semaines, peut-être, des mois, on ne sait plus. On a soif, on a faim, on économise nos rations au maximum. Cela fait déjà 2 jours qu'on ne se parle plus avec Marie-Madeleine. Peut-être 3, 4, je ne sais plus. Des tensions secrètes entre nous deux. Marie-Madeleine, tiens le coup, il faut que tu bois, ma vieille! Arrête de faire la gueule! Non, vas-y, inquiète-toi pas pour moi, bois, moi je tiendrai le coup. Doucement, espèce de goularde! T'as assez bu pour aujourd'hui! C'est quoi ça? Une bouée? Où est-ce que... Qu'est Marie-Madeleine? Je crois qu'on s'est perdu! On est en train de dériver, les mecs! Je mets la voile! Qu'est-ce que c'est que ça, là-bas? Marie-Madeleine! 34e jour de survie. Droit devant! Il y a quelque chose qui va pas, là-bas. Il y a un truc, c'est quoi, ça? C'est un bateau? Est-ce que ce serait pas la bouée de la dernière fois, ça? Là, les mecs, je vous le dis, je sais pas où est-ce qu'on est. Je sais pas où est-ce qu'on est, je sais pas quand on est, je sais plus, moi. Écoutez, je pense qu'on va se diriger là-bas. Merde, putain, j'arrive pas à zoomer dessus, là. On dirait un bateau. On va y aller. Est-ce que ce serait pas la bouée de la dernière fois, le Grand Lusca? Ça me dit quelque chose. Oh là là, puis on va tomber dans une tempête. Non, mais laisse tomber, quoi. C'est ça que j'ai vu, les mecs? C'est pas ça, gros. Sûr que c'est pas ça. C'est la tempête qui m'embête là. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Oh, c'est ça. C'est ça, les mecs, que j'ai vu tout à l'heure. C'est une bouée. Et il me semble bien que c'est la bouée de la pieuvre, ça. Ça se calme, je crois, les mecs. Ça se calme, ça se calme. Ça commence à se calmer tout doucement. Allez, encore un petit effort, Marie-Madeleine. On y est presque. J'ai envie d'essayer un truc vite fait pour voir. Attendez. Parce que ça me chagrine. Est-ce que ce serait pas le lit qui fout la merde? Je regarde. Clairement, les mecs. Clairement, c'est le lit qui fout la merde. C'est le lit qui fout la merde. Parce que le radeau est hyper stable sur le lit, quoi. Écoute, Marie-Madeleine, tu dormiras même le sol. Ça te fera pas de mal, ma vieille. Ah ouais, ouais, ouais. Bah ouais, c'est stable de ouf, mon gars. Tu m'étonnes. Bah oui. Et puis t'es pas trop mal, là. Tu vas voir, ça fait du bien au lombaire, un peu. Regardez, les mecs. Ah ouais, c'est ça, hein, c'est la bouée. Hein. C'est la bouée, c'est la bouée. Attendez, hop. Je vais dériver un petit peu par ici. Ah, sûr, c'est ça. Sûr. Ah ouais, gros, c'est la bouée de la dernière fois, ça. C'est le Grand Lusca ou je sais pas quoi. Je reprends la barre. La dernière fois, on n'avait pas plongé, parce que vous m'avez dit de pas plonger. Mais cette fois-ci, on va y aller. Voilà, tranquille, tout doux. Tout doux, Lusca le Grand, voilà. C'est pas le Grand Lusca, c'est Lusca le Grand. Voilà, mon gars. Allez, arrête-toi. Je pose l'ancre. Allez, on va causer 2 minutes tous les deux, là. Là, les mecs, on y est. On va s'équiper. Je prends ça direct. Je vais prendre. Allez, mon gars. Je prends toutes les flèches. Je prends ça sur moi. On va causer tous les deux. Attendez, 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 attendez. Voilà, avant d'y aller. Et je vais quand même prendre mon lit. Voilà. On va le poser. Et je vais faire une petite sauvegarde, tu vois, histoire d'assurer le coup. Voilà, là on peut y aller. Allez les mecs, je plonge. Gros, il est géant! Je remonte! Il va m'attaquer, l'enfoiré! Où est-ce qu'il est? Il va retourner mon radeau, gros. Je plonge! Il est là. Ah putain! Je m'en fous, j'ai des bandages. J'ai des bandages, gros. Lâche-moi, Lusca! Ah, ça pique, ça, mon gars, hein. Attends, attends, attends. Ouais, je suis équipé, les mecs. Eh, gros, je suis sur mon radeau. Qu'est-ce que tu fais? Attendez, bougez pas, je me mets sur la bouée. Allez, vas-y, je mets un bandage. Ah, eh, gros, mais t'as pas le droit, je suis sur le radeau. Putain, mais j'ai pas fait assez de flèches, clairement, les mecs. J'ai pas fait assez de flèches. Attendez, j'ai encore des lances sur moi, hein. J'ai encore des lances sur moi.
Allez, monte, 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 monte. Putain, il me chope, hein. Ah, il me chope à chaque fois, mon gars. Va falloir que j'aille rechercher mes flèches sur lui, mon gars. Ah, j'en aurais pas assez. Je pense pas. Après, il me reste encore des lances, hein. Je suis équipé quand même, les mecs, hein. Je suis pas parti les mains vides. L'enfoiré! Lâche-moi, gros! Donne-moi. Oh putain! Il a mes lances, gros. Oh, il a tout. C'est un hérisson de bordel. Huch! Ça pique? Rends-moi mes lances! Déjà que j'ai plus de flèches, putain! Je suis sur le point de le ken, les mecs! Je vais le finir à la lance! J'ai plus de lance-harpon, là! Oh, où est-ce que. Allez, vas-y, ça suffira pas. Ça suffira pas, ça suffira pas. Oh putain! Il faut que ça suffise. Il faut que ça suffise. Allez, vas-y, ramène-toi, mon gars. Ramène-toi. Il est là. Allez, je vais le dead, je vais le dead, je vais le dead. Je vais le niquer. Il est là, il est là, il est là, il est là. Ah oh. Je l'ai ken, mon gars. Bandage. Oh. Mes flèches, gros. Oh, objectif accompli. Premier trophée, première hélice d'aéronef. Yes, c'est pas mal. Ok, ok. Mes flèches, gros, par contre. Mes flèches et. J'avais fait plein de flèches et tout, là. Mes lance-harpons, tout ça, ils sont où? Oh, le bâtard! Oh, l'enfoiré! Il s'est enfui avec mes flèches, les mecs. Je suis dégoûté. Bon, va falloir que j'en refasse, c'est tout. C'est pas grand chose à faire, hein. C'est vite fait des lance-harpons en vrai. Yes! Hélice d'aéronef. Cela pourrait être utile. Formidable. Par contre, du coup, bah, faut que je me restuff en lance-harpons et tout. Bah, de toute façon, j'ai tout ce qu'il faut comme stuff à la base. Hein. Je vais devoir rentrer sur l'île. Bon, écoutez, les mecs, je range mon lit dans le coffre. Je vais retrouver mon île. De toute façon, je suis sûr qu'on n'est pas très loin. Et je vous retrouve là-bas. Garde le cap, Marie-Madeleine. Droit devant, c'est notre île. On y est, les mecs. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se stuffer bien comme il faut. Et puis, on va repartir. De toute façon, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai des pierres, j'ai des bouts de bois. En veux-tu, en voilà. Il y en a de partout, mon gars. Allez, hop. On s'arrête. Bouge pas, je vais te stuffer tout ça, moi. Je dois trouver de l'eau. Bah, ça tombe bien, je suis à la base. Allez, on va boire un petit coup. Allez, hop. Un petit bandage. C'est parfait. Je m'équipe, je suis à vous tout de suite. Ok, on est bien équipé. On peut repartir à la guerre. Alors, je sais pas où est-ce qu'on va. Quand est-ce qu'on va revenir? Où on va? Mais une chose est sûre, on y va. Alors je me suis refait principalement des munitions de gun et puis des lances aussi. Tiens, cette fois-ci, on va peut-être bien partir de l'autre côté un petit peu. Peut-être plus derrière, je sais pas. Cher journal, me voilà une fois de plus perdu en pleine mer. Je viens de tomber sur quelque chose d'étrange. Quelque chose de très étrange. On va tout de suite aller voir ce que c'est avec Marie-Madeleine. Quel jour nous sommes? Où sommes-nous? Qui nous sommes? Nous ne le savons plus. Allez, regardez, nous venons de trouver quelque chose en pleine mer avec Marie-Madeleine. On va tout de suite se diriger vers ce tas de ferrailles. Très certainement. Ai-je ma paire de jumelles? Elle est où ma paire de jumelles? Oh bah tiens, il n'y a pas besoin de paire de jumelles, on y est mon gars. Qu'est-ce que c'est que ça? Le Meg! Oh, ok d'accord. Ok, c'est bon, je l'ai vu. C'est un cadavre de baleine. C'est un requin qui mange un cadavre de baleine. Donc je crois que c'est le mégalodon les mecs. On va laisser le faire. Accroche-toi, Marie-Madeleine! Par contre, mon gars, s'il est aussi chaud que la pieuvre, ça risque d'être tendu. J'ai quand même pas mal galéré contre la pieuvre. Oh, regardez-le, mais il est en train de manger. Il est en train de manger, ce goré. Attends, bougez pas. On va aller l'accueillir comme il se doit. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, mon petit gars. Ah, oh, alors comme ça, tu manges? Attends, je vais ranger mon lit. Où est-ce que j'ai foutu mes flèches? Vous inquiétez pas, les mecs, je suis... What? J'allais dire, je suis bien équipé. Normalement, je suis bien équipé. Hein. Ah, voilà, c'est ça que je cherche, mon petit gars. Attends, on va causer 2 minutes tous les deux. Ouais, je ramasse tout, hein. Je m'occupe même pas. Allez, vas-y, viens. Alors, qu'est-ce que ça dit? On va peut-être manger un petit bout d'abord. On va toujours partir à la guerre, le ventre plein, hein. Oh l'enfoiré mon gars. Eh tu te calmes. Voilà, ça c'est pas mal. Boire un coup. Pour l'instant ça va, j'ai pas trop soif. Ok, il est là. Ich. Touché mon gars. Non. Wouh. Il est où? Il est là. Ich. J'ai l'impression quand même qu'il est moins chiant que la pieuvre. Après ça dépend. Ah ouais, ok, d'accord, lui il saute. Il est plus esquivable que la pieuvre quand même, hein.
Allez, mon petit père, je vais te transformer en hérisson, moi, tu vas voir. Ah, ça pique un peu, hein. Il est là. Oh, comment qu'il est moins costaud que la pieuvre, mon gars. Ah, la vérité, il est moins costaud que la pieuvre. Et il est largement plus facile. Ah, parce que je peux vous garantir que j'en ai chié pour la pieuvre. Hein. J'y foutais pas des flèches comme ça à la volée. Hein. Enfin, des fois, si, quand même. Mais c'était moins évident. Ah, mon gars, ça pique. Ah, je suis sur son petit déjeuner. Ah, putain. La vérité, franchement, le mégalodon, il est trop simple. Regarde. Il est mort. Voilà, ça y est. Allez, rends-moi mes flèches, mon pote. Allez, salut. C'est bon, c'est fini. Objectif accompli, récompense. Un trophée plus un palonnier d'aéronef. Est-ce que j'ai galéré à le dire? Très certainement. Par contre, rends-moi mes flèches, gros. Il est où? Il a encore disparu. Putain, il a fait... Allez, j'ai réussi à en récupérer quelques-unes quand même. Ça va, ça va. J'en ai récupéré quelques-unes tout de même. Hein. Allez, le mégalodon, c'est fait. Au suivant. Franchement, je suis encore bien équipé, hein. Ouais, alors je sais pas ce qu'il vaut le prochain boss, tu vois. Autant celui-là, mais il était super simple. Mais alors, il valait carrément pas la pieuvre que j'ai affrontée. Pas du tout. Ouais, je pense qu'on est bien équipé. Ouais, 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 mon gars, on est bien équipé. On n'a pas besoin de rentrer à la base, bien sûr, toi. Bien sûr. Eh ouais. Allez, on va naviguer, on va chercher le prochain boss. On va pas s'arrêter en si beau chemin, non? C'est y part. On lève l'ancre. On ouvre la voile. En route, Marie-Madeleine. Où est-ce qu'elle est, d'ailleurs, Marie-Madeleine? Allez. Marie-Madeleine? Je crois que je l'ai rangée dans un coffre, non? Je crois que je l'ai rangée dans un coffre, les mecs. Vous inquiétez pas, elle est jamais loin, je suis sûr. Elle a dû rentrer à la base. À mon avis, elle a dû rentrer à la base. Marie-Madeleine? T'es là? Elle a... Elle est forcément rentrée à la base. Ah non, elle est dans le coffre. C'est bon, elle est dans le coffre, les mecs. Je l'ai, ça y est. Ouf. Bon, les mecs, j'ai navigué. J'ai fini par retrouver mon île. J'ai été y faire un petit tour. Tant qu'à faire, apparemment, j'étais pas non plus si loin que ça. Donc, on a récupéré le palefrenier d'avion. C'est ça, le palefrenier? Alors, attends, je regarde. Comment ça s'appelle? Le palonnier d'aéronef, le palefrenier. Palefrenier, c'est pas un métier, ça? Je sais plus c'est quoi. Bref, toujours est-il que nous voilà sur notre île. J'ai pas trouvé le dernier boss. Franchement, j'étais chaud pour me faire les trois. Là, je vous le dis, honnêtement, ça fait exactement 3h55 que je joue. C'est un truc de ouf. Alors, bien sûr, la vidéo fera pas 3h55. Hein. Je vous épargnerai de longues dérives à la mer et tout. En tout cas, si vous avez kiffé, vraiment, n'oubliez pas le petit like. Ça me ferait super plaisir. Et n'hésitez pas à me dire où est-ce qu'il se trouve le dernier boss, parce que bah je le trouve pas. Voilà, nous on se dit rendez-vous pour de prochaines aventures. Et ciao tout le monde, bye bye. Et puis avant le prochain épisode, bien sûr, on se stuffera bien comme il faut. Va falloir de toute façon.